qu'est-ce que c'est bien avec de la musique. Allez, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo sur la chronique du cheminot. Enfin les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode de la chronique du cheminot. Donc voilà, je suis vraiment très heureux de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que n'était pas retourné sur la chronique du cheminot et qu'on n'était pas qu'on n'avait pas trop fini le point forêt. C'est vrai que la dernière fois on avait on avait fait le mode accéléré justement les amis, et on avait planté les amis des conifères il me semble, avec trois petits arbres il me semble, c'est ça. Alors je sais plus c'était quel arbre, alors attendez, non on va pas chercher, c'est tant pis, on va pas chercher parce que ça va être long, on va perdre du temps. Donc voilà. Donc on avait planté trois arbres entre en fait les trois entre chaque conifère. Du coup ça venait plutôt classe. Et on avait fait tout ça en mode accéléré justement les amis, pour pas perdre de temps, parce que c'est vrai que il faut quand même qu'on avance un petit peu dans le coin forêt, ce serait peut-être pas mal. Parce que voilà, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment avancé sur le coin forêt. Et je pense qu'il serait quand même temps de le terminer pour passer quand même en coin caillouteux. Donc voilà, donc ce que j'ai fait les amis de mon côté, j'ai un petit peu avancé. Alors j'ai pas vraiment quand même avancé énormément, mais j'ai quand même un petit peu avancé. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement les amis, c'est que j'ai mis de l'herbe. Alors c'est pas du coup une cover, c'est l'autre herbe, c'est Windblow ça s'appelle. Et en fait c'est l'autre herbe qui va bien avec ce côté là les amis, parce que regardez, c'est exactement la même herbe que ce côté là. Et ce côté-là, en fait, juste après, va bien de ce côté-là. Bah, forcément, c'est la même herbe. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, on va refaire exactement ce qu'on avait fait dans le mode accéléré. Sauf qu'en fait, tout simplement, les amis, on va mettre... l'herbe, ça va pas être la même. Mais par contre, on va exactement faire pareil avec les conifères. Et mettre trois petits arbres entre chaque conifère, tout simplement, les amis. Voilà. Alors excusez-moi si je suis si vous m'entendez pas très bien, ou alors je bafouille un peu parce que je suis malade les amis et je suis enrhumé, donc du coup voilà, c'est pas très très agréable pour vous, donc je suis désolé, je vais essayer de parler correctement. Mais voilà, donc je suis enrhumé, donc du coup je peux pas faire mieux. Voilà. Donc on va tout de suite commencer je pense les amis, parce qu'on va pas perdre plus de temps. Hein, surtout qu'après si on fait parce que j'ai dû recommencer la vidéo les amis. Et du coup c'est vrai que elle durait 19 minutes. Et en fait comme un con j'ai supprimé le cleaner. C'est vraiment magnifique. Donc du coup j'ai dû la recommencer. Bah on va la recommencer aujourd'hui les amis. Je sais pas quand je la posterai, peut-être de toute façon c'est les vacances les amis, donc bonnes vacances d'ailleurs à tous. Donc c'est les vacances, donc du coup j'aurai bien le temps de la poster un jour ou l'autre. Donc voilà les amis, alors on va tout de suite commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire les amis tri, et après on va chercher conifère. Alors conifère, voyons voir, alors il est où conifère, il est là. Donc conifère, alors c'est le 3 ou le 4 qu'on avait pris, il me semble que c'était le 3, ouais c'était le 3 il me semble. Donc voilà, donc aussi je voulais remercier MJH Simasson qui a sa chaîne maintenant. Alors c'est Team SOA Soleil, oui que je me trompe pas parce que je m'attends, je m'appelle Team Simulation les amis comme vous avez pu voir. Donc j'ai changé ma bannière et il me reste plus qu'à faire ma présentation de chaîne. Donc on va quand même planter les conifères, ce serait pas mal. Je voulais remercier MJH Simulation qui a sa chaîne maintenant. Alors je vous avais dit que c'était dans la carrière civile de Retrait Simulator 2 que c'était MJH Gaming, et il a changé de nom, il a mis MJH Simulation. Et du coup il va faire maintenant des vidéos de simulation. Alors maintenant il a deux chaînes, il a une chaîne Solex tout simplement les amis, de moto, de Solex pour ceux qui connaissent un petit peu. Et les amis, il a une chaîne aussi, écoutez, de simulation tout simplement. Donc il va faire du Euro Truck il me semble, il va faire du Farming Simulator 2015, si on arrive à le craquer, parce qu'il voudrait bien le craquer, il veut pas l'acheter, oui c'est un gros feignant. Donc je déconne, je déconne MJH, hein, ne me mets pas en commentaire, je déconne bien sûr, non. Et voilà, donc on va craquer ça ensemble. Donc voilà, si on arrive à craquer Farming Simulator 2015, donc voilà. Il voulait faire aussi du Dirt 3 et peut-être aussi du MotoGP 2014. Alors ça après c'est à lui de voir, mais normalement il avait dit qu'il en ferait. Voilà, alors on va planter les conifères. Alors je sais pas si ça vous plaît, moi ça me plaît. On va laisser comme ça. Donc on va mettre les petits arbres qu'on avait mis justement de l'autre côté les amis. Donc voilà.
Ah pourquoi je vous disais c'était bien la musique au début les amis, parce que vous pouvez voir que on a de la musique de fond les amis. Alors j'ai mis une musique, j'ai mis des musiques de non copyright sound tout simplement les amis, parce que voilà, c'est, je trouve que c'est vrai que la chronique du cheminot peut être un petit peu ennuyante sans musique, surtout que pour l'instant on a du son du jeu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui fait du bruit, hein, par le vent et les arbres, je vois pas ce qui fait du bruit, hein. C'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de voiture, il n'y a pas la ville, et donc du coup bah je vois pas grand chose qui peut faire du bruit, pardon, à part les arbres et écoutez le vent, hein, à part ça je vois pas trop quoi qui peut faire du bruit. Voilà. Alors j'ai petite dédie aussi à l'apogée grand abonné, donc merci à toi d'ailleurs. Qui me soutient beaucoup d'ailleurs, qui m'a mis un commentaire il y a pas très longtemps. Donc voilà, merci beaucoup à toi, c'est vraiment sympa de ta part. Donc voilà, donc merci beaucoup de me soutenir et vraiment petite dédie à toi. Petite dédie aussi à Dune Moritz que je connais bien maintenant, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Donc voilà, donc petite dédie à toi aussi, parce que tu m'as bien aidé quand même pour ma chaîne. Comment ne pas laguer et tout. Donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Ah oui, dédié aussi à HD Simulation Mais, alors maintenant qu'il y a changé de chaîne. Donc voilà, donc si vous voulez aller voir sa chaîne, normalement s'il met un commentaire, vous avez juste à cliquer sur son nom et ça vous redirige sur sa chaîne. Alors, c'est comme du Maurice. De toute façon, je mettrai les amis en lien dans la description la chaîne de Dune Maurice, la chaîne de MJH Simulation. Voilà, je mettrai ces deux chaînes là. Et puis après bah, on verra ce qu'on mettra dans la description. Je mettrai peut-être le site de Trims. Et puis la playlist maintenant de la chronique, parce que c'est vrai qu'avant je mettais pas la playlist, et maintenant en fait je vais mettre la playlist sur toutes les carrières suivies et sur la chronique du cheminot. Je vais mettre la playlist en fait dans la description, donc vous aurez juste à cliquer sur le lien et ça va vous rediriger tout simplement les amis sur la playlist où il y a toutes mes vidéos par exemple de la chronique du cheminot, et du coup ça va vous rediriger sur cette page. Et vous pouvez, si vous voulez, si vous avez raté quelque chose, vous pouvez cliquer sur une vidéo de la playlist. Et voilà, et après, ça vous redirige automatiquement sur ma vidéo que j'ai fait il y a récemment ou pas. Ça dépend. Donc voilà, ça dépend que vous prenez quelle vidéo. Donc voilà. Donc, alors je sais pas trop ce qu'on va planter comme herbe, les amis. Comme herbe. Plutôt comme arbre, parce que j'ai pas envie de mettre de... J'ai pas envie de continuer de l'herbe, là. Je pense qu'on va faire que ce côté-là, parce que là, c'est vite, ça va être très très bien, je pense. On va continuer juste là, les amis. On va pas faire de... Les amis, de l'herbe, ici, parce que c'est un petit peu idiot. Même là, je pense qu'on va pas continuer. Non, les amis, on va faire que ce côté-là. Donc, on va mettre des arbres. Alors, je sais pas trop ce qu'on va... Oulala, on va pas trop se rapprocher, sinon ça va laguer. Déjà que vous pouvez remarquer que l'écran est à 1920 par 1080 comme l'épisode bonus. Alors maintenant je mettrai quasiment tout le temps du 1920 par 1080 en écran. Après ça dépend, la qualité sera comment. Là ça sera du 720p en HD, je vous le dis tout de suite, parce que 1080 ça fait un petit peu trop, surtout si la chronique du Choubidon, donc pas forcément besoin de mettre en 1080. Donc voilà. Alors on va mettre peut-être des acacias, ça me paraît pas mal. Alors par contre on va mettre lesquels, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a quand même beaucoup. Le 7, alors le 7 il est comment? Non, c'est beaucoup trop petit. On va pas mettre ça, on va mettre un grand quand même. Le 2 par exemple. Le 2 il est comment? Oh, c'est petit la vache. Et j'ai bien envie de mettre des acacias, parce que j'avais prévu de mettre des acacias les amis. Donc ceux-là sont pas mal. Ouais. Alors on va mettre, ce que je vous propose, c'est qu'on mette tous ces acacias là sur la ligne ici. Tout simplement. Et écoutez, qu'on mette tous les acacias là, qu'on fasse un espace entre chaque truc. Donc là on va faire un espace, on va replanter, on va faire un espace, on va replanter, chaque fois c'est comme ça, jusqu'au bout. Et après je pense qu'on aura terminé ce point forêt les amis, parce que je vois pas d'autre chose qu'on peut faire. Parce qu'après le train va passer au milieu. Et après si on surcharge trop, pardon. Excusez-moi, je parle mal, mais oui, je suis bouché du nez. Désolé. Voilà. Non, je pense que non, on va vraiment terminer ce côté-là, parce que regardez, après j'avais énormément surchargé et du coup je sais pas si ça fait très très bon. Regardez, il y a des arbres un peu partout. Ouais, c'est pas très. Non, on va pas continuer. Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va mettre, comme je vous ai dit, un espace et voilà. Et après, on va pas continuer. Je pense que le coin forêt sera terminé. Et écoutez, on aura terminé ce coin forêt en musique. Alors ça va changer un petit peu. Parce que ça va être d'habitude, on n'était pas en musique. D'accord, il y a eu un gros bug. Excusez-moi, il y a eu un gros bug. Je sais pas si vous avez vu le bug, mais le jeu a complètement planté. excusez-moi pour ce bug, les amis. Il y a eu un gros bug, une mise à jour, je sais pas quoi.
Donc voilà, il y a eu un gros bug. Alors attendez, je vais remettre quand même, ce serait pas trop mal, un espace. Alors attendez, est-ce que ça s'est passé? Ouais, parce que c'est vrai que quand j'avais recommencé la vidéo, les amis, la vidéo précédente en fait que j'avais fait, j'avais vraiment tout collé. Donc en fait, ça va pas faire très beau. Non, on va, voilà, c'est quoi, c'est ça s'est passé ou pas? Non, c'est pas très, trop espacé. On va un petit peu plus espacer, les amis, quand même. Alors genre, on va le mettre là, voilà. On met 3 arbres comme ça en ligne, ce sera pas mal. On va faire un espace à chaque fois quand même. Juste pour pas trop que ce soit collé. Alors il y a bien, il y a assez d'espace entre chaque arbre. Parce qu'il faut pas trop que ce soit collé, parce qu'après ça fait vraiment moche. Et ça fait complètement la texture dégueulasse, quoi. Bon, alors on va mettre... Non, ça c'est pas assez espacé. Je veux plus d'espace, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Train Simulator 2012, je veux plus d'espace. Voilà. Alors aussi, je voulais vous parler, de, c'est vrai, les amis, que j'oubliais de vous le préciser, de mes anciennes vidéos, parce que pourquoi parler de mes anciennes vidéos? C'est vrai que j'aurais pu le parler sur Eurotruck, mais non, je vais en parler, parce que ça va quand même rajouter quelque chose à la chronique, et c'est vrai qu'on fait pas grand-chose d'habitude. Donc voilà. Donc les amis, oui, c'est vrai que je voulais vous parler de mes anciennes vidéos. Alors c'est vrai que quand je regarde mes anciennes vidéos, c'est vrai que ça me refait bizarre de me revoir commenter. Pas du tout la même chose, parce que c'est vrai que d'habitude, je parlais assez lentement, et c'est vrai que maintenant, je parle très très vite. Et du coup, c'est vrai que quand je regarde mes anciennes vidéos, ça fait vraiment bizarre, c'est vraiment pas la même chose. Même pour les descriptions et tout, je regarde les descriptions. Ah ouais, mais je me dis, mais il y avait rien dans les descriptions, il y avait que les liens. Je vous disais au revoir et c'est tout, quoi. C'est limite si je veux même pas 2-3 liens, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que maintenant je mets beaucoup de liens, je mets un test aussi. Donc c'est vrai que les descriptions ont bien changé. Et je pense, alors, par contre, c'est vrai que quand je regarde mes anciennes vidéos, j'ai eu plus de vues que quand je mets mes descriptions de maintenant. C'est vrai que je sais pas pourquoi. Peut-être les gens aimaient mieux mes vidéos que je faisais avant. Peut-être c'est possible aussi, parce que c'est vrai que bon. C'est vrai que c'est pas le même commentaire du tout. C'est vrai que par exemple, je reprends la carrière civile numéro 2 d'Eurotruck. Bah, regardez le commentaire par rapport à la 18, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même. Donc, je sais pas si les gens aiment mieux l'ancien commentaire où je parlais moins vite. Et finalement, c'était peut-être mieux finalement. Après, je sais pas. Il y a des gens qui aiment mieux le nouveau commentaire que je fais. Et il y a des gens qui aiment moins le commentaire que je fais maintenant. C'est vrai que, voilà. Enfin, après, faut aimer, ça dépend des goûts. Moi, j'aime bien mon nouveau commentaire, même si, bon, là, je parle encore trop vite dans ces vidéos, de toute façon, je le sais. Faudrait que je m'entraîne à parler moins vite, en fait. Sans enregistrer, faudrait que je m'entraîne à parler moins vite. Ce serait quand même pas mal. Alors, regardez, on va finir là, les amis, ça me paraît pas mal, regardez. On a fini pile poil à l'arbre ici, donc c'est parfait. Donc je pense qu'on va se laisser là, les amis, pour cette chronique du cheminot. C'est vrai qu'on a parlé, mais en fait on a un petit peu rien foutu quand même. Mais c'est pas grave, hein. Alors ça, vous remarquez qu'on c'est quand même pas les mêmes arbres. Bon, tant pis, ça changera, c'est pas le même côté quand même, hein. On va pas copier non plus sur l'autre côté, on va pas faire exactement pareil. Donc voilà, donc je vais vous laisser là, les amis, pour cette petite chronique du cheminot en musique. J'espère que ça vous aura plu. Alors il n'y a pas eu de mode accéléré, c'est vrai, aujourd'hui, les amis, mais on peut pas tout le temps faire, hein, c'est trop long le montage. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser là, les amis, et je vous dis à la prochaine. Et c'était Team Simulation, et on se retrouvera pour du farming. Écoutez, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de farming. Allez, c'était Team Simulation, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.